Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois d'avril. Avril 2022, partie ligne astrologique. Nous allons faire les balances. Amis balances, cette vidéo est pour vous. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, lunaire, pour avoir plus de messages, plus d'informations. Les balances, signe d'air associé à la planète Vénus. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle. Faites preuve de discernement. Alors, nous allons faire un tableau avec l'oracle des fées, le Normand. Nous irons ensuite faire un 13 cartes avec l'oracle de Béline. Les miroirs, l'oracle des miroirs que vous commencez à connaître. Et à la fin, je vous invite à réfléchir sur une question à laquelle nous irons chercher les réponses avec la réponse angélique. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Amis balance, c'est parti. Voyons voir un petit peu ce que ce mois d'avril vous réserve, amis balance, pour le mois d'avril 2022. Ami balance, mois d'avril 2022. Alors, à la coupe, nous avons les finances qui sont mis en avant pour ce mois d'avril, les balances. Ouh, les amoureux. Un choix à faire sur les finances, hein, qui concerne certainement le foyer d'ailleurs. Et ça vous touche sentimentalement. Il y a aussi une belle protection pour certains. La force tranquille. Mais attention aussi de ne pas être trop borné, entêté. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, vous les voyez bien, c'est parfait. Nous avons mon consultant, ma consultante, vous pouvez inverser le foyer. Il y a bien un choix, il y a bien quelque chose de sentimental. On va se déplacer, les amis, où les nouvelles viennent à vous. Peut concerner le travail, l'activité, peut concerner aussi des démarches, quelque chose. Oh là là, les amis, nous avons le couple. Nous avons le couple pour ce mois d'avril. Amis balance. Pour certains d'entre vous, il va être question de faire un choix. On va peut-être se déplacer par rapport à cette décision que l'on doit prendre, qui touche les finances, qui touche l'activité professionnelle, qui touche des démarches, quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler, qui va vous permettre de retrouver un bel équilibre. On peut penser aussi que par rapport aux finances que l'on a vues tout à l'heure, on va vers une prospérité, quelque chose qui est mieux. Alors, ça concerne un homme, ça concerne une femme. L'homme va de l'avant, si on peut déchiffrer ça ainsi. Par contre, la femme a l'air de tourner le dos un petit peu. C'est peut-être pas tout à fait ce qu'elle attendait. Quoi qu'il en soit, on voit bien un déplacement. Les nouvelles viennent à vous, où vous y allez. Attention toutefois à peut-être qu'il y a un petit peu de manipulation autour de ça. Ce qui explique que peut-être que madame en ait conscience et elle tourne le dos un petit peu à son équilibre. Façon évidemment de parler, puisqu'on voit quand même que le choix, les sentimentales est là, ça touche le foyer, il y a un bel équilibre, une belle croissance. On va recouvrir tout ça, mais mes amis balance, ça s'annonce plutôt bien. Alors, pour les balances, avril 2022. Cet homme est très fidèle. Si vous avez le soutien d'un homme, mes amis balance, homme, femme, il y a beaucoup de fidélité, de sentiments, de loyauté autour de tout ça. Cette personne est très, très sincère. Et votre choix est lumineux. Regardez-moi ça, les amis. Sentimentalement, si on tourne le tirage sentimental, il y a de la fidélité, de la loyauté, des sentiments qui sont très forts et qui sont sincères, couronnés de succès. Si ça touche vos projets, il y a quelque chose de sincérité qui est fait, qui est créé avec un homme ou une femme, qui est créé en couple, à deux. En tout cas, on va vers quelque chose de flamboyant,
de très beau au sujet de la décision que vous allez prendre. Oui, on va peut-être se rendre, enfin, rendre visite ou avoir la visite, mais je vous dirais plutôt, on va se rendre à une institution, quelque chose d'officiel, un bâtiment public, un bâtiment officiel. Et voilà. Alors, cette ruse que je voyais tout à l'heure, c'est peut-être que vous n'avez pas eu toutes les informations adéquates. C'est pas très méchant. Ou peut-être que vous les avez eues, mais elles ne vous conviennent pas tout à fait. Pour d'autres, ça peut toucher le domaine professionnel aussi pour le mois d'avril. Hein. On voit que vous avez un certain succès qui va se présenter à vous. Vous allez devoir vous déplacer d'ailleurs vers cette institution. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Hein. Il vous manque encore peut-être des éléments, des informations pour avoir un bel équilibre. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on se projette, vous êtes guidé. Il y a une très belle évolution. Il y a quelque chose qui vous emmène. Il y a peut-être aussi du monde autour de ça, hein, un réseau aussi de personnes qui fait que ça va vous aider à avoir un bel équilibre. Il y a des rêves, il y a un nouvel espoir, de l'orientation qui se présente. Et nous sommes bien en présence d'un contrat, d'un partenariat, d'une signature. Alors là, je vais faire le côté sentimental. Si vous vous sentez concerné, il y a peut-être une rencontre ou en ce moment une relation, ou même pour les couples, hein, qui est de l'ordre très sincère, sentimental. Ou peut-être un choix s'impose. Alors, ça peut être un choix de déménagement, d'emménagement chez l'autre, et ainsi de suite. Hein. Peut-être aussi de l'ordre du travail. Peut-être aussi qu'il va falloir peut-être quitter son travail ou changer de travail. Parce que cette relation est sincère et on a des projets. Donc, effectivement, on se déplace. On va devoir se déplacer vers une institution qui concerne bien le travail, avec des informations qui sont peut-être encore manquantes, quoi qu'il en soit. Ça va vous permettre d'avoir un très joli équilibre. C'est bien vous, madame, vous, monsieur, qui est concerné pour une très belle union. Pour d'autres, si on est en dehors du sentimental, il y a quelque chose en préparation. 2, 4, 6, 8, 10. Qui vous touche sentimentalement, c'est ça, c'est clair. Il y a beaucoup de sincérité, de loyauté dans un choix, une décision que vous allez prendre. Pour ce faire, vous allez devoir vous déplacer également, certainement vers une institution, vers un bâtiment public, vers un organisme pour lequel vous allez peut-être demander des infos, ou peut-être on ne vous a pas donné toutes les infos, quoi qu'il en soit. Ce n'est pas bien méchant, car ça va vous permettre d'avoir un bel équilibre, magnifique, et on voit très bien que vous allez signer. Il y a un partenariat, une union, un accord, un contrat. Voilà, mes amis, balance pour votre mois d'avril qui est très beau, flamboyant, plein de projets et de réussites. Nous allons voir avec l'oracle des miroirs ce que nous retrouvons. Très, très beau tirage. Alors, je vais les mettre là. Nous allons prendre nos 13 cartes avec l'oracle des miroirs pour nos amis. Balance, voir un petit peu ce qu'il en est. Donnez-nous des messages pour nos amis Balance pour le mois d'avril 2022. S'il vous plaît, merci, merci, merci pour le mois d'avril 2022. Merci de donner des informations. Oups. Merci, merci. Alors, à la coupe. Nous avons, et oui, on retrouve la consultante. Qui a bien un nouveau projet? Vous êtes bien dans la construction de quelque chose de nouveau, dans un choix. Dans... Vous voyez ce petit chemin-là? Pouf, 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 pouf. On se dirige vers quelque chose de nouveau. Alors. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Donc, on va vous remonter tout ça. Est-ce que vous la voyez si je la mets là? Très peu. Hein.
Elles sont grandes et on a du mal, j'ai un peu du mal à gérer de les mettre toutes à l'écran pour que vous les voyez. Oups. Alors, en dominante, nous avons, si elle veut venir, le foyer, la maison. 1, 2, 3, 4, 5. Avec, comme je vous disais tout à l'heure, le contrat. Il n'y a rien à faire. Si les messages, les énergies doivent sortir, elles sortent. Vous pouvez prendre n'importe quel jeu de cartes ou d'oracle. Si ça doit sortir, ça sortira. Et là, on est bien, concernant le foyer, on est bien sur une signature, un accord, un contrat. Le domaine de l'argent est concerné, bien entendu. Alors, ça peut être achat, vente, on parle compte en banque, si on s'installe ensemble. Il y a forcément, à un moment donné ou à un autre, de l'argent dans la discussion. Et vous allez enfin obtenir la tranquillité. Vous vous rappelez de l'arbre tout à l'heure? Là, on est sur la tranquillité. Zen attitude. Alors, bien sûr, ça a peut-être pris du retard ou ça va encore prendre du retard. Bon, ça a peut-être mis du temps à arriver tout ça. Mais quoi qu'il en soit, on voit que c'est là. Alors là, ami balance, miroir magique. Que dire? Si vous vous rappelez de ce que je dis quand je tire cette carte, tout ce qui va être ici en négatif est atténué parce que cette carte est la plus forte du jeu. Donc maintenant, tout est atténué. Le retard, ça va être envolé. Ça a mis peut-être du temps. Les choses vont s'arranger. Il y a le retour d'une situation. C'est ce qui fait peut-être qu'il y avait du retard et il y a eu le retour d'une situation. Qui occasionne un franc succès, de la nouveauté, un nouveau chemin, une éclaircie, une ouverture. Ça a peut-être mis du temps, d'où notre retard tout à l'heure. Ça a mis du temps, mais waouh, victoire. C'est une réussite, ami balance. On va pouvoir, alors, ou voyager, ou s'emménager, comme je le disais tout à l'heure pour les couples, hein, les nouvelles rencontres, ou déménager, si c'était des projets tels, ou programmer un voyage, ou prendre de la hauteur à tout ça. Ça vous avait mis instable, il était grand temps que ça arrive. D'où d'ailleurs, la carte du temps qui est à côté. Ça vous avez enfermé aussi, les amis. Magnifique tirage. Je pense que vous êtes... c'est un petit peu compliqué pour ce mois d'avril, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de projets qui arrivent pour beaucoup de signes. Mais là, vous êtes un des signes qui est vraiment très beau. Alors oui, il y a de l'instabilité et de l'enfermement. Je ne vais pas les recouvrir. Pourquoi? On a le miroir magique qui atténue tout ça. Alors à un moment donné, vous avez dû tourner en rond. Ça vous a mis instable. Vous ne vous sentiez pas bien. Vous étiez enfermé. Regardez ça. On voit l'ouverture. On voit la signature. On voit la tranquillité grâce à un retour de situation. On voit la victoire. On voit l'argent. Que dire de plus, mes amis? Balance, magnifique tirage. Je suis ravie quand je fais un tirage comme ça. Excusez-moi, je suis toute excitée parce que je trouve ça trop beau et je suis très contente pour vous. Alors, je vous invite à réfléchir à une question et nous allons tirer une carte avec les réponses angéliques. Voir un petit peu quelle est la réponse qui vous attend. Réfléchissez bien à la question. Quelle est la réponse, s'il vous plaît, apportée à nos amis Balance pour ce mois d'avril 2022. Quelle est la réponse? Balance. 2022. Oh là. Eh bien, écoutez, elle est tombée, je vais la prendre. Et en plus, j'ai envie de dire, elle va totalement dans ce que l'on a vu tout à l'heure. La situation va s'améliorer. Là, on est parti sur de l'abondance. On monte, on monte. Regardez comme c'est joli.
ces dauphins qui. Hop, 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 on va. C'est magnifique. La situation va s'améliorer. Là, on est parti pour quelque chose de beau. Voilà, mes amis Balance. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a ou va vous parler. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime. Ça permet à la chaîne d'être de plus en plus visible. Merci beaucoup d'être présent sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à nous rejoindre, à laisser un commentaire, à mettre un pouce j'aime et surtout à activer la cloche pour ne rien louper. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.